Bonjour et bienvenue pour cette première webconférence donc du collectif 1310 pour la journée mondiale du cancer du sein métastatique. Donc cette journée, elle donne la parole, elle met en visibilité en fait les problématiques des personnes touchées par un cancer du sein métastatique. Et depuis 2018, le collectif 1310 cherche avec les différentes associations qui le composent à accompagner les patientes, mais aussi à faire connaître leurs besoins. Et donc aujourd'hui, ce matin, on va s'intéresser à une problématique très importante qui est finalement cancer du sein métastatique et travail. Comment faire pour maintenir ou retrouver ou reprendre son activité professionnelle? Parce qu'aujourd'hui, on fait de grands progrès pour mieux vivre avec la maladie, avec des innovations thérapeutiques. Et finalement, cette place dans la société, cette place dans le travail, elle est essentielle. Donc, pour nous expliquer un petit peu ce contexte, je vais être entourée aujourd'hui de plusieurs intervenants. Donc, Thierry Calva, qui est le président de Jury Santé, mais qui est aussi cofondateur du cercle Vulnérabilité et Société. Et puis, donc, nous allons présenter les résultats d'une enquête que nous avons menée avec un triple regard. Donc, depuis cet été, en fait, un questionnaire a été proposé à la fois aux patientes, mais aussi aux managers et également aux travailleurs sociaux et acteurs médicaux. Donc, Thierry et moi, on présentera ces résultats. Et après, on va être entouré de plusieurs personnes pour finalement partager expérience et point de vue avec Virginie Villard, qui est présidente du GFLUC Paris-Île-de-France, donc les entreprises contre le cancer, et qui est également consultante retraite et action sociale. Nous aurons deux patientes témoins, donc Claude Coutier, qui est patiente et présidente du collectif Triplette Rose, et puis Lily, qui est patiente partenaire. Et nous sommes accompagnés également du docteur Isabelle Buguet, qui est médecin formateur qualité de vie au travail au centre Antoine Lacassagne à Nice. Donc, merci à toutes donc et à tous d'être là aujourd'hui. Je vous rappelle aussi un petit peu le mode de fonctionnement de la plateforme. Vous avez un chat où vous pouvez échanger tout au long de la conférence et un onglet questions où on vous invite donc à poser vos questions au fur et à mesure des interventions. Et nous aurons deux temps d'échange où on pourra prendre vos différentes questions et y répondre avec nos invités. Donc, je vais donc passer la parole à Thierry Calva pour finalement déjà ce contexte général. Cette fois-ci, je mets mon micro. Bonjour à toutes, peut-être à tous, mais je pense qu'on est quand même sur un sujet qui est extrêmement féminisé. Merci en tout cas d'être présente. Alors, je vais essayer de faire relativement court. Là, je vais prendre plutôt ma casquette du cercle Vulnérabilité et Société, donc ce qui peut provoquer chez moi un peu de schizophrénie, mais pour vous dire deux, trois choses qui me semblent intéressantes à comprendre. La première, mais je pense que vous le savez, c'est que finalement, en tant que patiente vivant avec un cancer du sein métastatique, vous n'êtes pas seul et vous ne l'êtes pas doublement, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vous accompagnent, mais surtout, vous vous inscrivez dans un registre de société dans lequel les organisations, les entreprises sont amenées et appelées à accueillir une vague démographique de plus en plus importante de personnes qui sont en situation dites de vulnérabilité ou de fragilité. Alors, j'ai juste au niveau du cercle, on a essayé d'identifier l'ensemble des vulnérabilités qui aujourd'hui composent le tissu des organisations et qui composent les vulnérabilités au sein des organisations. Il y a aujourd'hui des fragilités qui sont liées aux dimensions culturelles, à la sphère professionnelle et derrière la question du sens au travail. Mais pour la partie qui nous concerne, il y a celle qui touche à la sphère privée et à la vie sociale, ça touche notamment à la question des aidants familiaux et plus spécifiquement celle de la santé. Alors ce que vous voyez là en termes de chiffrage, hein, c'est les blocs noirs où on a par exemple les maladies aiguës chroniques, où on a aujourd'hui 19 millions de personnes qui vivent en maladie aiguë ou chronique et 10 millions de gens qui travaillent. C'est un travail qui a été fait, un travail de source à partir des données publiques. Et on s'aperçoit au premier coup d'œil qu'en fait, aujourd'hui, dans l'entreprise, on a de plus en plus de gens qui sont dans une situation qui est une situation à des degrés divers, qui est une situation de vulnérabilité. Et le phénomène va croissant, au moins pour deux raisons. La première,
c'est que derrière, on a des progrès médicaux qui font qu'on est dans un cadre de chronicisation des pathologies, donc des personnes qui auparavant échappaient à la vie professionnelle se retrouvent dans une dynamique qui est une dynamique nouvelle de vie retrouvée au travail, du fait des progrès médicaux. Et par ailleurs, on a un niveau d'acceptation par la société qui fait qu'un certain nombre de vulnérabilités qui auparavant étaient cachées, je pense par exemple au sujet des violences conjugales, qui assez paradoxalement se retrouve quand même souvent comme un vrai sujet au travail, ce type de sujet-là aujourd'hui n'est plus acceptable par la société. Donc d'une certaine façon, pris entre le marteau et l'enclume, entre d'un côté davantage de personnes qui reviennent au travail et par ailleurs un niveau d'acceptation qui est un niveau d'acceptation plus réduit, ben les organisations sont obligées d'avoir à accueillir des patientes et des personnes qui sont de plus en plus en situation dite de vulnérabilité. Et le cycle assez classique, hein, quand on est dans ce type de situation, puis je reviendrai plus spécifiquement sur la question du cancer du sein métastatique, qui est aussi concerné, c'est qu'on a, quand on travaille, ça il y a pas mal d'études, de focus group qui ont pu être faits, il y a trois choses qui interagissent et qui amènent finalement une forme de renforcement des situations de fragilité. La première, c'est la peur de la stigmatisation, c'est-à-dire aujourd'hui, être malade au travail, c'est être dans une situation où on n'a pas forcément, spontanément, envie d'en parler, et derrière on a pas mal de questionnements, est-ce que j'en parle à mon employeur, est-ce que j'en parle à mes collègues de travail. Alors il n'y a pas de réponse unique, on aura l'occasion je pense d'en discuter, mais en tout cas cette peur de la stigmatisation fait que petit à petit elle vient se renforcer le sentiment d'une possible précarisation. Et quand on interroge les femmes vivant avec un cancer du sein métastatique, quand on organise des focus group, et je pense que ça peut être aussi le sentiment de celles qui nous écoutent, eh bien, on a le spectre de la précarité qui assez rapidement s'invite dans les débats avec la peur de perdre son emploi, la peur de ne pas avoir suffisamment d'aide, et finalement de sombrer dans une forme de pauvreté qui va, troisième élément, amener une forme d'exclusion, d'isolement. Et chacune de ces dimensions venant renforcer l'autre, et on est dans ce qu'on peut appeler une forme d'auto-renforcement social, d'isolement et de manque de reconnaissance. Globalement, c'est la mécanique assez classique touchant au travail. Et dans le cadre du cancer du sein métastatique, en plus, on a deux facteurs qui sont, nous semble-t-il, possiblement intéressants. Le premier facteur, c'est que le cancer du sein métastatique est assez peu connu, et on verra dans l'enquête hein, qu'on vous présentera, qu'en tant que tel, il est assez peu connu, et puis derrière, il y a une forme de représentation de cette maladie qui n'est pas forcément flatteuse. Et puis, le deuxième aspect, c'est que au-delà de ça, il vient se heurter, alors que la pathologie se chronicise, il vient se heurter au fait que c'est une pathologie qui est une pathologie difficilement anticipable et qui n'est pas stable, qui amène derrière de l'instabilité. Et nous vivons dans une société où finalement, progrès de la médecine aidant, technologie aidant, on est dans une logique qui est une logique de plus en plus croissante de maîtrise, qui va même d'ailleurs jusqu'à imaginer que la mort n'est pas normale, donc c'est tout le pendant transhumaniste. Aujourd'hui, plus personne ne meurt de sa belle mort. Tout le monde meurt forcément d'une pathologie. Voilà, il y a 30 ans, 40 ans, une personne âgée mourait de sa belle mort. Aujourd'hui, elle meurt d'une pathologie. Et donc, ce sentiment de maîtrise relayé au plan des organisations, mais peut-être que Virginie pourra nous en dire un peu plus tout à l'heure, mais relayé au plan des organisations par le sentiment de la maîtrise des process, c'est que les patientes vivant avec un cancer du sein métastatique sont dans une situation où elles échappent à une certaine forme de logique d'organisation. Et enfin, il faut que nous respections les délais. Enfin, je voudrais juste rajouter deux choses. La première, c'est que une des façons aujourd'hui d'aborder le sujet des vulnérabilités ou des fragilités au travail, notamment dans le domaine du cancer du sein métastatique, c'est d'aider les entreprises à mieux accueillir non seulement les patientes, mais aussi le potentiel qui est le leur. Et c'est aujourd'hui tout le développement auquel on assiste dans le domaine dit de la pérédance, c'est-à-dire la capacité qu'on peut avoir en tant que ayant vécu une expérience
qu'on peut communiquer à d'autres au sein d'une organisation pour faire en sorte qu'un certain nombre de choses bougent. Alors, ça peut passer notamment par des groupes de parole, dans certaines entreprises ça existe, hein, entre patientes, et plus largement par une forme de reconnaissance des compétences, c'est-à-dire de la capacité à contribuer dans une organisation, parfois de façon spécifique, et il y a de plus en plus de travaux qui commencent à s'engager sur cette voie qui permet à terme vraisemblablement de reconnaître des savoirs expérientiels qui sont ceux des patients et qui, nous, on a une au sein du cercle, on a essayé de développer une non pas une approche, mais une forme de plaidoyer pour insister auprès des entreprises pour que aujourd'hui, ce qu'elles considèrent comme des travailleurs à besoins spécifiques, et ils sont réels, donc des TBS, deviennent demain, dans le cadre d'une organisation qui est en capacité à accueillir leur potentiel et leurs compétences, des travailleurs à besoins et ressources spécifiques. Et l'étude, et ensuite Laure, je te passe la parole, elle est intéressante dans cette perspective-là parce qu'elle permet de mettre un coup de projecteur et d'essayer d'avoir une photographie, sinon précise, du moins exacte, d'un certain nombre de pratiques et notamment des façons d'accueillir aujourd'hui dans l'entreprise ce nouveau type de capacité. Écoute, merci beaucoup Thierry pour cette introduction et on voit finalement aussi les enjeux du monde du travail pour gérer toutes ces vulnérabilités et mieux accueillir la réalité de vie des personnes qui constituent leurs équipes. Donc on va vous présenter une partie des résultats, en tout cas les faits majeurs de cette étude que nous avons faite ces dernières semaines. Donc je vais demander à Aurien de nous mettre les slides. Et nous allons commencer à vous les présenter. Donc, pour rappel, cette enquête, elle a été co-construite et menée par le collectif 13-10, avec l'ensemble des associations, collectif Triplette Rose, Étincelle, Europa Donald, Life is Rose, Mon Réseau Cancer du Sein, Au Jury Santé et Vivre comme avant. Et on a aussi partagé largement autour de nous, donc d'autres associations, d'autres patientes ont pu participer. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a donc eu 230 patients qui ont répondu à cette enquête. Mais comme on vous le disait en introduction, on avait fait finalement une déclinaison du questionnaire destiné aux managers et responsables des ressources humaines et également adapté ce questionnaire pour les acteurs sociaux et médicaux. Et là, on a quand même plus d'une cinquantaine de personnes qui ont répondu. Et donc, ça nous permet d'avoir aujourd'hui ce regard croisé qu'on souhaite vous présenter. Alors, il y a quelque chose qui est important à souligner. Même si le cancer du sein touche 1% d'hommes, et nous en connaissons dans notre réseau notamment, puisqu'on a un groupe dédié aux hommes touchés par un cancer du sein, nous n'avons eu que des répondantes. Mais vous voyez que dans le monde professionnel et acteurs sociaux et médicaux, nous avons là aussi une très grande majorité de femmes qui ont répondu. Donc, c'est vrai que ça interpelle quand même un peu, notamment du côté professionnel, et ça reste quelque chose qu'on peut qui je trouve pourrait amener une réponse. En tout cas, c'est peut-être une réflexion à se faire sur la prise en compte de ces sujets par les hommes managers ou acteurs sociaux et médicaux. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir la répartition d'âge. Pour les patientes, c'est assez réparti, avec quand même 45% de patientes très jeunes, puisque moins de 50 ans, donc véritablement touchées en pleine vie professionnelle et en pleine carrière. C'est réparti un peu différemment, avec plutôt des managers, des acteurs sociaux un peu plus jeunes. L'autre précaution de lecture qui est importante à garder en tête, c'est que donc pour les patientes, notre questionnaire était orienté 100% cancer du sein métastatique. Donc ce ne sont que des patientes touchées par cette forme de maladie qui se chronicise qui ont répondu. Pour les managers et les acteurs sociaux, on a voulu être plus large, donc on a proposé un questionnaire autour du cancer du sein et travail avec certaines questions spécifiques au cancer du sein métastatique. Donc, ça peut expliquer aussi, vous verrez en fait une part des réponses. Et l'autre chose qui est importante à souligner, c'est finalement le type d'entreprise dans lesquelles étaient les personnes quand elles ont répondu. Et là, vous voyez une différence importante avec 34% des patients qui étaient dans des entreprises de plus de 1000 salariés.
Et 43% donc dans des toutes petites entreprises, hein, TPE et PME. Et alors que pour les managers et RH, on a en fait une très grande majorité d'entre eux qui sont dans des plus grosses structures. Et ça peut expliquer aussi une part des réponses. Donc voilà, ces précautions de lecture, elles vont être reprises aussi dans les commentaires de nos différents intervenants. Je crois que c'est important de les souligner, mais c'est voilà, néanmoins très intéressant de vous présenter ces résultats. Voilà. Alors dans les faits marquants aussi très importants, 82% des patientes qui ont répondu à l'enquête avaient une activité professionnelle au moment de la réponse. Donc c'est vrai que c'est vraiment des personnes en pleine dans cette réalité qui nous donnent leur point de vue de patient. Donc c'est très précieux. Et 57% donc des managers ou responsables RH avaient donc dans leurs collaborateurs des personnes en traitement pour un cancer du sein. Donc on voit bien des répondants tout à fait concernés par la situation. Dans un premier temps, je vais proposer donc à Thierry de vous présenter les résultats et de prendre la main sur les slides. Merci beaucoup. On va passer directement au slide suivant puisque les précautions ont été posées. Ensuite, je vois d'ores et déjà dans le chat un certain nombre de questions qui touchent aux catégories, aux préoccupations, aux modes de vie. On n'est pas allé sur les modes de vie et les préoccupations différentes suivant l'âge, qui d'ailleurs, au sein des tri croisés qu'on a pu faire, n'ont rien montré de déterminant. Et là, on va vous proposer une forme de synthèse qui évidemment, comme le temps nous est compté, et que les données qui vous sont présentées de façon globale, font que peut-être ce qui est important, c'est dans ce qui n'est pas dit. C'est toujours important, on va essayer de faire court, et puis ensuite on pourra répondre à vos questions, et puis on les éclairera avec nos intervenants. Donc je vous propose de passer tout de suite aux principaux résultats que cette étude montre, donc en passant au slide. Tu as la main sur les slides, je te laisse prendre la main sur les slides. Ah, j'ai la main sur les slides. Ah, ben, c'est formidable. C'est encore, c'est d'accord, très bien, j'attendais un slide qui devait passer. Alors, premier temps et première demande hein, qui était faite là plus spécifiquement sur les femmes vivant avec un cancer du sein métastatique, petite pastille verte, et la question était votre maladie, les traitements vous ont-ils conduit à procéder à certains aménagements de votre vie professionnelle? On notera tout de suite de façon immédiate que rares sont, puisqu'elles sont seulement 13%, les patientes qui n'ont opéré aucun aménagement, ce qui signifie en creux qu'on est dans une situation qui est une situation d'ajustement par rapport à une organisation de vie, une organisation de travail qui ne vous étonnera pas, mais qui peut être éclairée à la fois par le fait que dans un cas sur deux quasiment, hein, puisqu'on est à 41%, on a dû faire et prendre des congés ou s'absenter, plus exactement, hein, on a dû s'absenter, faire le choix d'un temps partiel avec ce que derrière ça peut signifier en termes de possible réduction de salaire et finalement de dégradation, hein, de pas forcément de qualité de vie, mais de pouvoir d'achat. Seulement un quart sont passés au télétravail, tout simplement parce que le télétravail n'est pas forcément possible pour tout le monde. Et puis ensuite, il y a eu des changements de fonction et d'horaire. Donc, de toute façon, ce qu'on s'aperçoit là tout de suite, c'est pas une surprise, mais ça permet un peu d'objectiver les choses, c'est que c'est une situation qui est une situation extrêmement intense du point de vue de l'exercice professionnel dès lors que le cancer du sein métastatique s'invite dans une existence. La deuxième chose qui nous semblait intéressante, puisqu'on a vu l'impact que ça peut avoir, c'est de voir comment est-ce que la question du cancer, au sens large, était gérée dans les entreprises. Je fais juste une petite incise. En fait, on avait dans notre questionnaire une demande qui était une demande d'affinage dans les définitions qu'on pouvait avoir des cancers. Et on s'est aperçu que, tant du point de vue des DRH que dans une grande part des acteurs dits sociaux et médicaux, il y avait plutôt une méconnaissance du cancer du sein métastatique. On était dans une forme d'effet un peu que je qualifierais de gloubi-boulga, qui est qu'on agrégeait en fait derrière le cancer du sein, le cancer du sein, tout un ensemble de cancers. Donc, quand vous lisez ces résultats, il y a de fortes chances que même si on avait précisé cancer du sein métastatique, on ait obtenu les mêmes résultats. Voilà, c'est juste ce que je voulais induire aussi comme note de lecture. Toujours est-il que quand on commence à interroger des DRH qui sont en manager et RH, qui sont en bleu,
les acteurs sociaux et médicaux qui sont en vert et les patients qui sont en rose, on s'aperçoit tout de suite que la question du traitement concret dans l'entreprise, elle n'est pas très adressée ni renseignée de la part des patientes, puisque peu de patientes nous disent que l'entreprise a aménagé les conditions de travail. C'est seulement 30% quand les DRH, quand les RH et managers estiment au contraire qu'on est à 45%, donc c'est un sacré décrochage. L'entreprise informe et sensibilise de façon très faible pour les patientes, alors qu'elle le fait de façon très forte pour les managers et les RH, puisqu'on est à 55%. Et enfin, les dispositifs d'accompagnement spécifiques sont vécus de façon assez contradictoire en termes de dispositifs d'accompagnement spécifiques, puisque seulement 12% des patientes déclarent y avoir eu accès, tandis que 45% des RH et managers déclarent les avoir mis en place. Alors, cet écart-là, il peut s'expliquer, Laure le disait, par le fait qu'on a des patientes qui sont dans des entreprises plutôt petites et on a des RH et managers qui répondent dans des entreprises plutôt grandes. Donc, c'est une clé de lecture qu'il faut quand même avoir en tête. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, alors on était sur un échantillon de 50 managers, un échantillon commence à être représentatif à partir du moment où vous avez une trentaine de personnes. Donc, c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure en disant qu'on était sur des chiffres exacts à défaut d'être précis. Donc, on est sur des dynamiques qu'on essaie d'identifier. Donc, aujourd'hui, il y a un niveau de perception de la question du cancer dans les entreprises qui n'est pas du tout le même pour les patientes et pour les RH et managers, sachant que les acteurs sociaux et médicaux se situent, eux, à chaque fois, et on le verra, donc j'y reviendrai peut-être tout à l'heure quand c'est significatif, mais globalement dans une espèce d'entre-deux entre les patientes et les managers. Donc la gestion de la question du cancer du sein dans l'entreprise, elle est diversement appréciée, et on a posé une question qui est une question qui est devenue quasiment récurrente dans pas mal d'études qui sont menées, et que par ailleurs moi j'ai eu le plaisir de mener, où on demande à deux ou trois populations l'impact projeté que peut avoir une collaboratrice avec un cancer du sein métastatique dans l'entreprise et notamment dans le cadre du collectif de travail. Et on demande d'attribuer une note qui est une note de 0 si on pense que l'impact est très négatif, pouvant aller jusqu'à 10 si on pense que l'impact est très positif, ce qui signifie qu'en fait on a une moyenne d'impact neutre à 5. Et on le fait sur un certain nombre de critères. Là, on a gardé les plus significatifs. On le fait sur un certain nombre de critères qui sont traditionnellement des critères de mesure de la performance organisationnelle des entreprises et plus largement des structures et des organisations. Donc, qu'il s'agisse de l'absentéisme, qu'il s'agisse de la productivité, qu'il s'agisse de l'organisation et de la gestion des priorités, la gestion des imprévus, la qualité de ce qui est produit, la cohésion interne, de façon assez systématique, et je pense que vous l'avez déjà vu, aucun RH et manager, dont je rappelle qu'ils ont une expérience plutôt grande, puisque 57% d'entre eux ont une collaboratrice qui vit avec la maladie dans leur service, ben aucun d'entre eux ne met une note inférieure à 5. Ce qui signifie que dans leur esprit et dans la représentation qu'ils se font de l'influence et de l'impact de la collaboratrice, sur le collectif de travail, elle est plutôt neutre à positif, voire très positive, notamment sur la cohésion interne qui obtient quand même la note assez respectable de 7,16 et dans une moindre mesure sur le fait que derrière, on a un collectif qui est sans doute meilleur en termes d'organisation et de gestion des priorités et de qualité de ce qui est produit. Là où c'est intéressant, c'est que cette étude, quand vous la faites avec un double regard, c'est que vous interrogez aussi les personnes concernées. Et là, vous pouvez constater que les patientes, de façon assez systématique, sous-cotent leur influence sur un collectif de travail, mais de façon très claire et très nette, puisque de leur propre aveu, elles déclarent qu'elles ont un impact négatif, puisqu'on est sous la barre des 5, sur l'ensemble des critères que j'ai cités. Ce qui fait qu'il y a une forme de décalage, on y reviendra, mais entre d'un côté une forme de représentation des RH et managers qui sont finalement peut-être plus bienveillants par rapport aux situations des patientes et des patientes qui sont, pour le dire un peu crûment, sans doute très dures avec elles-mêmes, ou en tout cas dans une forme de représentation
plus négatif que ce que les gens peuvent imaginer. Et on le verra dans les enseignements finaux. Il y a vraisemblablement une forme d'effet Pygmalion sur lequel on pourrait jouer. L'effet Pygmalion, c'est le fait que la façon dont on est regardé influence directement la façon dont on s'estime. Donc, on trouvait ça intéressant. Et personnellement, pour l'avoir testé sur d'autres types de populations concernées, je pense notamment aux aidants familiaux et dans une moindre mesure sur certaines situations de handicap, c'est la première fois que je vois des gens qui aussi notoirement sous-cotent leur influence. Ce qui est un des enseignements intéressants, donc vous avez là la suite. Les principaux problèmes qui se posent aux collaborateurs vivant avec un cancer du sein, donc là, cancer du sein, mais on peut même imaginer cancer du sein métastatique, les points de vue, comme vous pouvez le voir, sont relativement conformes avec des différences, mais globalement, on est sur des ordres de grandeur qui sont assez conformes et assez proches d'une population à l'autre, sachant que les RH et managers ont plutôt tendance à surcoter l'articulation et les difficultés d'articulation vie pro et contrainte des traitements, puisqu'on est à 78% quand les patients sont à 63%. Et par ailleurs, ils sont ceux qui surcotent aussi le manque de connaissances des solutions d'aide qui seraient existantes. Mais globalement, on voit que la première difficulté pour l'ensemble des populations, c'est l'articulation vie pro et contrainte des traitements, et que la deuxième difficulté, c'est la méconnaissance du cancer dans l'entreprise, ce qui d'ailleurs, Cyril, je crois que c'est vous qui posiez, qui disiez ça, les RH, oui, vraisemblablement, pourraient être mieux formés à la question, et donc avoir davantage d'informations. Ce qui nous semblait intéressant aussi, c'était de voir quelles étaient les étapes qui, pour les trois populations, semblaient les plus significativement importantes. Pour celle qui est de toute façon la plus importante et qui apparaît clairement pour tout le monde, c'est le fait de travailler tout en suivant les traitements. Donc ça, c'est ce sur lequel l'ensemble des publics est d'accord, avec des tonalités qui sont des tonalités différentes. Mais on observe quand même une différence assez significative, c'est que pour les patientes, l'étape la plus délicate, hormis le fait de travailler, c'est l'arrêt de travail. C'est comment est-ce que je gère l'arrêt de travail. Alors que pour les RH, mais c'est un peu normal, puisque quand la patiente est arrêtée, ça ne devient plus forcément le fait de l'entreprise, c'est le retour au travail qui, lui, pose des questions. Donc, on est dans ce permanent va-et-vient de « je suis obligé, finalement, en tant que patient, de m'ajuster aux contraintes professionnelles, et en tant que RH, je vais m'ajuster aux contraintes professionnelles, enfin, aux contraintes médicales de la patiente ». Et sachant que l'annonce de la maladie aux collègues, là, fait visiblement l'objet d'une forme de représentation un peu biaisée, les RH pensant qu'elle est elle est significativement complexe à faire, alors que pour les patientes, à 14% seulement, on peut penser que c'est quelque chose qui est plutôt facile à surmonter. Alors, ensuite, on demandait aux répondants quels étaient les axes principaux dans lesquels l'entreprise devrait s'engager pour améliorer la situation et mieux accueillir et mieux gérer le cancer du sein métastatique au travail. Sur ce registre-là, là encore, vous avez un gros bloc qui se dégage, qui est le bloc, et sans aucune surprise, me semble-t-il, qui est celui du temps partiel et la flexibilité des horaires. Et c'est normal, c'est que si on met ça en place, on va pouvoir s'ajuster de façon claire aux contraintes de la maladie. Mais ensuite, vous avez des positions qui sont des positions légèrement différentes. Je dirais juste, vous aurez noté d'ailleurs que les acteurs sociaux et médicaux sont ceux qui pensent que la question du temps partiel, des congés spécifiques, est celle qui est la plus importante, sans doute aussi parce qu'ils sont dans un accompagnement de proximité. Mais sur les axes qui se dessinent, les RH pense que l'axe majoritaire sur lequel l'entreprise peut faire porter son action au-delà des congés spécifiques, c'est celui de l'information des salariés et dans une moindre mesure de mettre en place des services qui soient adaptés aux salariés malades, tandis que pour les patientes, et à notre pas étonnement, mais finalement on peut penser que c'est intéressant, c'est la reconnaissance des compétences qui sont acquises par les salariés malades, qui est mis au premier rang, et ensuite la question des aides financières, qui sont des aides financières dédiées.
les services adaptés, se situant finalement plutôt en queue de peloton, certes avec un volume significatif, mais là aussi ça peut constituer une forme de surprise. Enfin, et on va comme ça pouvoir entrer dans le vif du sujet, il y a encore une ou deux questions et ensuite on pourra discuter. On s'aperçoit que d'une part la question de la situation l'expérience d'un cancer du sein métastatique, enfin un cancer du sein en général et métastatique pour les s'agissant des patientes, est-ce que c'est de nature à générer une nouvelle compétence ou capacité professionnelle? Les RH et managers l'envisagent dans trois quarts des cas, ce qui quand même montre une représentation assez dynamique de la situation. Pour les patientes, c'est assez important, hein, c'est des chiffres loin d'être négligeables, puisque quasiment une patiente sur deux pense que sa situation est de nature à générer de nouvelles compétences ou capacités professionnelles. Et assez naturellement et à la suite de cette question, on demandait aux personnes RH, acteurs sociaux et patientes si, et la question était un peu provoque, si on pensait que les patientes concernées avaient une place dans l'entreprise. On s'aperçoit là encore qu'on est beaucoup plus favorable dès lors qu'on est un acteur social ou médical ou qu'on est manager ou RH à considérer qu'il y a une place dans l'entreprise quand les patientes, elles, sont certes majoritaires à 78%, mais sont quand même très nettement en retrait par rapport à la représentation qu'ont les autres publics d'elles-mêmes. Ce qui est un des vrais enseignements, c'est vraiment cet ajustement des croyances qui vraisemblablement est un vrai levier de travail. Juste sur les messages, donc ce que je disais à l'instant, c'est que d'une part, les managers sont beaucoup plus positifs que les patientes concernant le rôle et l'impact de ces dernières dans l'entreprise. Certes, on est sur les plus grosses entreprises, les autres sont sur les patientes sont des entreprises plus petites, mais on est quand même sur des écarts qui sont très très importants, avec une sous-estimation importante. Les RH et managers, en revanche, sous-estiment pas mal l'impact de la maladie et des traitements sur l'efficacité au travail et puis l'impact des arrêts au travail pour les patients, puisque ça ne figure pas au rang de leur priorité. Les RH et managers estiment que les entreprises devraient davantage concentrer leurs efforts au-delà de l'aménagement du temps de travail sur l'information et la formation des salariés plutôt que sur des dispositifs d'aide financière. Alors évidemment, il y a peut-être derrière une arrière-pensée économique, mais néanmoins, c'est une information importante. Et autre élément important, c'est que la maladie est considérée par les managers comme une capacité supplémentaire à apporter des compétences pour l'entreprise. Donc derrière, à se retrouver dans ce que j'ai évoqué dans ma courte introduction tout à l'heure, d'être dans une situation de travailleur à besoins et à ressources spécifiques. Du côté des patientes, on voit quand même que l'étude, même avec un certain nombre de biais, elle montre qu'il y a une perte de confiance de la part des patientes dans leur rôle dans l'entreprise puisqu'elles sous-cotent. Il peut y avoir un effet cumulatif qu'on est en train de regarder en faisant des tris croisés, mais qui fait que, évidemment, on a des femmes. Là, on est sur un public qui cumule puisqu'on a des patientes vivant avec un cancer du sein métastatique, qui sont en plus des femmes qui traditionnellement ont plutôt tendance à se dévaloriser dans un collectif de travail. Donc d'une certaine façon, il y a une forme de combo gagnant qui fait qu'à l'arrivée, on a des gens qui se sentent peut-être sous-valorisés ou qui se sous-valorisent eux-mêmes. Elles sont beaucoup plus sévères, évidemment, que les managers et RH à estimer leur employeur quant à la sensibilisation des salariés au problème. Et enfin, elles estiment que leur employeur devrait leur accorder des congés spécifiques, du temps partiel ou des aides financières. Ça tombe bien, il n'y a que sur les aides financières sur lesquelles les choses finalement sont un peu plus tendues. Et enfin, un dernier point, dans ce qu'on peut imaginer, et c'est comme ça qu'on va pouvoir peut-être ouvrir nos échanges avec nos invités, c'est qu'un des leviers assez évidents qui apparaissent, c'est qu'il y a vraisemblablement un travail à mener quant à restaurer le capital confiance des patientes, c'est-à-dire que derrière, elles se sentent non plus seulement, comme l'étude semble le montrer, une forme de charge dans l'entreprise avec une estimation négative, mais au contraire, être dans une situation qui est une situation de contribution, et elles sont d'autant plus dans une situation de contribution que derrière, les entreprises projettent plutôt favorablement leur rôle et leur impact. Ce
qui signifie quand même que derrière, il faut accentuer les accompagnements pour les aider à retrouver cette confiance en soi. Et un dernier point qui me semble assez évident et qui apparaît aussi dans l'étude, c'est que tout ça n'est possible que si l'entreprise crée les conditions de la restauration de la confiance. C'est-à-dire que là, on insiste beaucoup, mais c'est normal puisqu'on présente à des patientes sur l'intérêt qu'il peut y avoir à retrouver de la confiance en soi, mais ça n'est possible que dans le cadre d'un collectif de travail qui donne et qui génère les conditions nécessaires pour pouvoir le faire. Et je vous remercie de votre attention. J'espère avoir tenu les délais. Je crois que c'est le cas. C'est tout à fait le cas. Merci beaucoup Thierry pour cette présentation d'enquête. Alors, on a pas mal de questions. Donc, déjà juste une question autour de qui répondait. On n'a pas de sous-groupe entre les patientes en entreprise, fonctionnaires ou indépendantes. Et c'est vrai qu'on a essentiellement des patients en entreprise on n'a pas ce split, et clairement, on voit que le monde du travail peut être très très différent entre les structures, et on va dire que c'est un premier travail plutôt orienté entreprise privée que fonctionnaire ou indépendant. On est bien d'accord, je pense que tu peux le confirmer Thierry, mais c'est comme tu disais, une tendance, et c'est le début d'un travail, je pense qu'on pourra continuer à développer. Donc je te laisse répondre. Oui, je préciserai parce que je voyais dans le fil. Oui, il y a une possibilité que les RH, parce que ça rejoint la discussion, il y a une possibilité que les RH surcotent eux-mêmes l'image qu'ils veulent projeter. Je précise juste deux choses. La première, c'est que c'est un questionnaire anonyme, qui déjà limite les effets de bord dans ce domaine. La deuxième chose, c'est qu'il y a des études dans lesquelles c'est pas le cas, c'est-à-dire dans lesquelles les gens y vont, je ne citerai pas de pathologie ou de situation, mais il y a quand même des cas où quand on interroge les RH, même si ça n'est pas, pour le dire autrement, populaire de répondre, de faire des réponses qui sont des réponses un peu négatives, non inclusives. Voilà, l'effet est possible, mais il n'est pas systématique, il n'est pas réel. Très bien, alors merci beaucoup. Et donc, on va passer à un temps d'échange avec nos invités. Et on va d'abord donner la parole à deux personnes, à deux patientes, pour qu'elles nous apportent aussi leur éclairage concret. Je crois que c'est aussi tout ce qui nous importe aussi, c'est d'être proche de la vraie vie. Et donc, je vais d'abord passer la parole à Claude Coutier, qui est donc patiente, mais aussi présidente du collectif Triplette Rose, qui va nous apporter donc son expérience par rapport à son travail, et aussi nous dire un petit peu en quoi cette expérience rentre en résonance ou pas du tout avec les résultats de l'étude. Donc bonjour Claude et à toi la parole. Oui, bonjour à tous et merci pour ce temps de partage. Alors moi déjà en introduction, je pense qu'il faut dire que personnellement, en fait, moi j'ai beaucoup de chance. J'ai bénéficié d'un retour au travail adapté et j'évolue dans un contexte qui est quand même très bienveillant avec une équipe au top. Je les remercie d'ailleurs s'ils écoutent ces webinaires. Malgré tout, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en lien avec mon expérience personnelle et qui ressortent dans cette enquête. Alors, vous inquiétez pas, je vais me limiter à deux cas. Le premier, c'est que malgré ce contexte favorable que je vous ai dit, le syndrome de l'imposteur, il m'arrive de l'avoir. Vous l'avez exprimé dans l'enquête sous forme de « elle se sous-cote », ces femmes atteintes d'un cancer du sein métastatique. Moi, j'appelle ça le syndrome de l'imposteur et je me suis retrouvée là-dedans. Voilà. Vous m'avez aidé aussi à mettre des mots derrière tout ça. Merci. Et puis le deuxième point, c'est vrai qu'il est plus inattendu et il est bien souligné dans l'enquête, c'est que en fait, on a du mal à voir ce que l'on dégage de positif à travers la maladie, vraiment à travers notre posture face à la maladie. Et c'est marrant parce que j'en ai fait l'expérience il n'y a pas si longtemps que ça. Je travaille principalement en télétravail, mais je me suis rendue au travail. Et donc, du coup, j'ai eu des interactions plus fortes avec mes collègues qui m'ont renvoyé quelque chose auquel je ne m'attendais pas, en fait. Une vision de... Visiblement, je faisais transparaître dans l'entreprise une énergie quelque part que j'imaginais pas. Donc oui, aujourd'hui, en fait, je pense qu'on peut vraiment aider à la prise de recul face à une situation complexe du quotidien de l'entreprise
on peut contribuer à la cohésion d'équipe. Je pense vraiment que c'est une réalité. Et en fait, je suis persuadée que la maladie, en fait, nous enseigne des nouvelles compétences sans qu'on en prenne conscience. Donc c'est bien des enquêtes comme celle-ci parce qu'elles nous aident à en prendre conscience. Et alors il manque juste l'étape d'après en fait, hein. C'est comment on fait pour valoriser ça et que tout le monde en ait conscience. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce premier temps, mais bien sûr je peux répondre à d'autres questions. Merci beaucoup Claude et on va continuer après effectivement sur des pistes. Je vais donc maintenant donner la parole à Lily qui est patiente partenaire et qui elle aussi nous partager son expérience par rapport au travail et ses réactions par rapport à l'enquête. Donc à toi la parole. Bonjour. Déjà, merci pour cette enquête. Bien évidemment qu'on peut s'y retrouver. Je précise que moi, je fais partie des patientes qui sont fonctionnaires. Je n'ai pas l'essence de Claude Coutier parce que quand il nous arrive un cancer du sein, c'est déjà une épreuve énorme. Mais en plus, quand en tant que fonctionnaire, on se sent protégé et qu'on découvre la réalité de la protection toute relative, c'est un deuxième choc. Là où on se retrouve sûrement en tant qu'agent, en tout cas là où moi je me retrouve, c'est effectivement dans le cumul du handicap. Quand on revient, alors il y a l'arrêt de travail, ça en tant que fonctionnaire, il y a des protections qui s'appellent congé longue maladie, voire congé longue durée. Mais quand on revient, il y a un sentiment de la part de la DRH, c'est que vous revenez en pleine santé, hein, et que tout va aller super bien. Et vous, en tant que patiente, ne pas en parler ou en parler, vous vous rendez très vite compte que si vous n'en parlez pas, vous sombrez dans une incompréhension collective à vos égards. Donc vous finissez pas en parler un peu, puis à la fin, ça devient un peu beaucoup. Je vais proposer à donc Virginie Villard, qui représente pour nous les entreprises aujourd'hui, effectivement votre expérience, et votre regard par rapport à ces résultats d'enquête. Bonjour, c'était une enquête très, très intéressante. On voit qu'il y a un décalage quand même entre les patients, les malades et l'avis des RH et des managers. Donc déjà, ce qu'il faut voir, c'est que les entreprises, elles sont toutes différentes. Tout dépend du secteur d'activité, leur taille et aussi l'expérience personnelle du manager ou du RH. Donc, on a vu récemment avec Octobre Rose énormément de publications où les entreprises se prenaient en photo avec du rose. Mais la question derrière, est-ce que réellement ils savent ce que vive un malade du cancer et encore plus le malade, un cancer du sein métastatique? Donc, pour en revenir à l'enquête, ce qui est intéressant, c'est la formation. Mais pas la formation en général sur le cancer, parce que là, les entreprises, beaucoup signent des chartes. C'est très bien, les chartes, hein, cancer et travail. C'est bien, on parle de cancer en entreprise, de travail, de retour au travail, mais la formation, elle doit être individuelle, un petit peu comme le handicap. Quand tu es un salarié en situation handicap, on va adapter son poste de travail à son handicap. Et là, il faudrait adapter en fonction de sa pathologie, mais aussi en fonction de sa situation personnelle. On sait que les cancers sont tous différents d'une personne à l'autre. Et je pense que cette méconnaissance fait perdre confiance aux salariés, parce que le salarié qui est malade, qui rentre en entreprise, finalement, il est considéré comme un autre salarié qui a été malade d'un cancer et il est accompagné, mais de manière globale. Il n'est pas, l'accompagnement n'est pas individualisé. Et c'est peut-être pour ça qu'il se sous-estime et ce n'est pas la faute du RH ou du manager. Ils ont envie, on le voit, il y a quand même un engouement sur le retour à l'emploi, il y a le RSE, il y a la QVT, il y a quand même cette envie. Alors, sur les grandes entreprises, hein, sur les plus petites entreprises, déjà, ils sont pas dans, ils n'ont pas les mêmes problématiques. La personnalisation du retour au travail, de l'accompagnement aussi du salarié, mais après, on ne peut pas non plus imposer à un RH ou à un manager d'accompagner un salarié qui ne s'ouvre pas et qui ne va pas vers lui pour être accompagné.
Et cette étude, donc, on revoit, information, formation des salariés. Donc, il y a la formation des RH, mais aussi la formation des collaborateurs, des collègues. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains, nous sommes tous différents, et on a tous aussi, RH manager, notre propre expérience personnelle. Donc, l'expérience personnelle qu'on a sur le cancer, via un conjoint, via un ami, via un précédent collaborateur avec qui on travaillait, impacte sur nos décisions et notre accompagnement d'un collègue qui va arriver prochainement avec une pathologie du cancer du sein métastatique. Et j'ai vu dans le fil de conversation qu'il y avait des personnes qui évoquaient que les entreprises ne connaissaient pas la pathologie cancer du sein métastatique. En effet, on met le cancer du sein dans une case. Cancer du sein, octobre rose, les personnes rentrent, les malades rentrent d'un arrêt maladie, on pense que les traitements sont terminés, ils ont fait les gros traitements, ils reviennent. Non, derrière, même quand c'est pas un cancer du sein métastatique, il y a parfois de l'hormonothérapie, etc. Et là, l'accompagnement doit être aussi fait pendant cette période-là, mais l'accompagnement ne peut être fait que si le salarié évoque tout ça. Faut pas oublier non plus que la médecine du travail, c'est un échange confidentiel. Elle n'a pas pour but d'aller voir le RH pour expliquer les effets secondaires ou les problèmes du salarié. Donc le salarié devrait, enfin doit, s'il peut, aller voir son manager, ses collègues. Et on l'a vu, hein, c'est très apprécié ces échanges entre tous pour pouvoir être accompagné. Effectivement, Claude, si tu veux reprendre un petit peu sur ton expérience, et il y avait eu aussi beaucoup dans le fil de questionnement autour des nouvelles réalités du travail suite à l'épidémie de Covid, notamment avec un développement important des propositions de télétravail qui peuvent être au-delà des flexibilités des jours, des organisations, des temps partiels thérapeutiques ou quoi, ou des organisations, on va dire, à temps partiel, une façon un petit peu différente de pouvoir reprendre le travail. Et bon, toi, tu en as cette expérience. Oui. Est-ce que tu vois, voilà, des différences dans ton parcours et nous apporter cet éclairage? Moi, j'aurais pas repris le travail si j'avais pas pu faire du télétravail, en fait. Aujourd'hui, j'ai une dérogation pour faire 100% du télétravail. J'ai repris à 30%. Ça n'aurait pas été possible autrement parce que, quand on nous voit, ok, j'ai des cheveux, tout va bien, j'ai peut-être un peu des cernes, mais finalement, c'est pas ça. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est hyper invisible. Mais n'empêche que la fatigue en situation métastatique, elle arrive n'importe quand, à n'importe quel moment. Donc, reprendre les transports en commun et faire 1h30 de transport en commun, bah, moi, j'ai pas envie d'avoir ce stress-là. Et donc, le télétravail est vraiment un point clé pour aider la reprise au travail. Alors après, en termes de... Ça a un effet moins sympa, c'est que socialement, bah, on reste chez nous et on n'est pas dans le contact, on n'est pas dans l'échange, on est beaucoup moins facilement dans l'humain. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile à vivre. Mais pour revenir à l'enquête, moi, ce que j'ai trouvé de particulièrement étonnant, et je pense que c'est vraiment le fil conducteur de l'enquête, c'est la réponse à « mon entreprise informe et sensibilise les salariés au sujet ». Donc on a des patients qui disent « oui » à 7%, et on a les managers et les RH qui disent « oui » à 55%. Et là, je me suis dit, mais comment on peut interpréter ça? Donc, finalement, il y a aussi d'autres réponses dans d'autres chiffres. Et puis, j'ai essayé aussi de me repencher sur mon vécu et mon expérience personnelle. En fait, je pense que tout le monde en conviendra. En fait, pour informer, pour sensibiliser sur un sujet, il faut le connaître. On peut supposer que 55% des managers pensent connaître et maîtriser ce sujet. Moi, je pense que non. Parce que d'un autre côté, nous, quand on est patiente et on le vit, on n'en parle pas tant que ça de notre maladie. On est assez discrète hein, par rapport à ça, ou on en parle seulement d'une façon assez superficielle. Finalement, c'est uniquement entre nous, entre femmes atteintes d'un cancer du sein métastatique, qu'on en parle à profondeur, parce qu'on sait qu'on va se comprendre. Donc, il y a peut-être cette réalité, en fait. Moi, personnellement, j'explique pas beaucoup ce que je vis,
D'une part, parce que je pense que la personne en face de moi, ben, elle n'a pas vraiment envie de savoir, ou alors ben, je sais que ça va lui faire peur, ou alors je sais que ça va être trop compliqué, ça va être trop long, et que de toute façon, on ne va pas me comprendre, parce que pour le comprendre, il faut le vivre. Donc finalement, il y a peut-être quelque chose, en fait, un décalage dans la perception, parce que il y a des patientes qui n'ont pas l'air d'être malades, qui ne parlent pas de leur maladie. Et donc, de l'autre côté, il y a des managers qui croient peut-être savoir ce que c'est, qui croient peut-être savoir ce qui se passe, mais qui ne le savent pas. On a vraiment quelque chose de fondamental là-dedans, autour de la connaissance du vécu de la maladie en situation métastatique. Merci beaucoup, Claude, pour cet éclairage extrêmement précieux. Et tu soulignes du coup plusieurs choses, hein, cette réalité d'une maladie qui se chronicise, qui est de plus en plus invisible, c'est-à-dire que quand on vous voit socialement, on ne peut pas imaginer que vous êtes malade, le côté donc incompréhension de votre ressenti, de vos besoins, et aussi bah, le besoin, et c'est tout le rôle aussi de certaines associations, groupes d'échange, etc., de se sentir comprise, et donc il y a peut-être un travail aussi à en fait échanger entre nous pour faire connaître mieux ce vécu et ses besoins. Le docteur Buguet, vous pouvez nous dire un petit peu donc qui vous êtes, ce que vous faites et votre réaction par rapport à cette enquête. Très bien. Alors, je suis très contente de participer aujourd'hui à plusieurs titres. D'abord, je trouvais l'enquête extrêmement intéressante et la disparité de réponses, effectivement, ça peut paraître un peu étonnant avec ces réponses à 55% des managers qui pensent que ben voilà, ils connaissent, ils sensibilisent, ils informent, il n'y a pas de souci. C'est vrai que je pense qu'en fait, on est aussi sur le fait que, comme on parle beaucoup du handicap, de la maladie, du cancer ces dernières années, qu'il y a des, comme ça, des sujets de santé publique qui sont quand même très médiatisés, ben, les gens pensent connaître. Et là où j'ai retrouvé vraiment quelque chose de très vrai, c'est dans le témoignage de Claude qui disait, je crois, qu'effectivement, elle en parlait uniquement entre pairs, parce que dans un collectif de femmes atteintes de CSM, là, elle savait qu'elle serait comprise. Et il y a cette espèce de reconnaissance immédiate, ou en tout cas de compréhension immédiate, qui effectivement est très facilitant. Et je pense que le levier, ça serait effectivement que ces collectifs, ces groupes de parole, en tout cas, soient beaucoup plus connus et médiatisés. Et donc, ça permettrait ensuite d'aller davantage, on va dire, vers le monde du travail, vers les RH, en disant, voilà, quelles sont nos contributions possibles, quelles sont nos nouvelles compétences, mais aussi quels sont nos freins. Parce qu'effectivement, on parle de handicap invisible, c'est 80% des handicaps en général, mais aussi maintenant des maladies chroniques qui sont invisibilisées, parce que, au moins en surface, on voit pas beaucoup de signes de la maladie. Donc, finalement, les gens se disent, si elle a repris son travail, c'est que tout va bien. Voilà. Et effectivement, c'est compliqué d'en parler, de dire ses limites, avec tout le côté comme ça de fatigue qui peut tomber d'un coup, d'un seul. Et puis après, c'est un peu les montagnes russes permanentes. Donc c'est ça qui est très difficile aussi à gérer, aussi bien pour la patiente que aussi pour les RH qui ne savent pas trop non plus sur quel pied danser. Donc c'est vrai que le télétravail peut être aussi une solution tout à fait, entre guillemets, élégante pour sortir un peu de ces difficultés-là. Après, je dirais aussi qu'il y a des capacités de résilience qui sont aussi assez individu-dépendantes et qui, ça, se travaille beaucoup avec un entourage qui est aidant et aussi avec un soutien collectif de la part de l'entreprise. S'il y a une bienveillance, ça sera beaucoup plus facile. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez nous rappeler aussi votre rôle en médecin oui. du travail, finalement, quand est-ce qu'on reprend en scène vous, quand est-ce que vous rentrez en scène et notamment dans cette situation de maladie, donc soit suite à une rechute ou soit qui est tombée métastatique, finalement, pour une personne voilà, qui va avoir une maladie dont il va falloir s'occuper et avoir des traitements et des contrôles réguliers, etc., et dans une vie de patiente, généralement plusieurs lignes de traitement, comment on va interagir avec vous? Comment vous pouvez nous aider? À quel moment? Alors, en fait, au bout de 3 mois d'arrêt maladie, donc sur des cancers du sein, en fait, c'est souvent beaucoup plus que ça, mais disons qu'au bout de 3 mois d'absence, en fait, la personne, la patiente ou son médecin conseil ou le médecin traitant peut solliciter une visite de pré-reprise. Une visite de pré-reprise, c'est une visite qui est informelle. Il n'y aura pas de fiche d'aptitude, ce sera plutôt une visite d'information et de concertation avec le médecin du travail pour envisager les modalités de reprise. Donc, en général,
c'est parce qu'on a justement en ligne d'horizon, on a quand même une reprise possible. En tout cas, au moins dans sa tête. C'est-à-dire qu'on sait que dans son quotidien, on a davantage de force, moins de fatigabilité, plus de capacité de concentration et des choses comme ça. Et on se sent, entre guillemets, en état de reprendre. Mais on ne sait pas trop comment. Et le médecin du travail, là, pour informer et dire, OK, vous allez pouvoir reprendre. Effectivement, je sens que c'est le moment est venu, mais il va falloir reprendre, par exemple, à mi-temps thérapeutique ou sans port de charge parce que l'histoire du lymphedème, des membres sup pour un travail physique. Vous voyez, ça va être tout ce travail en fait d'information, de mise à plat un peu des tâches aussi. Et il n'y aura pas à la sortie de la visite quelque chose forte. On va rester encore un peu dans le flou, mais au moins la personne, elle saura que, par exemple, peut-être qu'il y aura déjà des démarches enclenchées avec l'MDPH pour mettre en place un statut de travailleur handicapé. En général, c'est mieux de le faire quand même en amont, parce que la visite de pré-reprise, elle ne va pas pouvoir tout régler d'un coup de baguette magique. Disons que ça vient en complément, par exemple, de démarches avec l'assistante sociale ou avec le référent handicap ou directement avec Cap Emploi. Mais je pense que la visite de pré-reprise, elle vient en complément de tout ça. Elle ne peut pas se substituer aux autres. Elle marche en complément avec avec les autres acteurs. Donc Cap Emploi, l'assistante sociale aussi de la CARSAT, le médecin conseil ici, on a pu le rencontrer. Maintenant, il y a pas mal de réunions collectives qui sont organisées pour les patients à partir de 3 mois d'arrêt et plus. Les gens, on leur propose en fait des réunions d'information collective sur leur retour au travail et ce qui peut être mis en place, donc notamment le mi-temps thérapeutique. Donc ça, je pense que c'est très important de se rendre à ce type de réunion collective. Et dans ce type de réunion collective, est-ce que la situation de vivre avec un cancer métastatique est abordée ou est-ce qu'on parle du cancer, j'allais dire, telle une bannière un peu généraliste? Je pense qu'on reste dans la bannière généraliste. Hein. Parce qu'en fait, on peut se dire, enfin, nous, on a vraiment le sentiment qu'avec le collectif 13-10, on cherche à justement mettre en lumière les besoins spécifiques des patients qui vivent avec un cancer du sein métastatique, mais il y a aussi les autres cancers métastatiques. Et finalement, quand on met au bout du bout, on a énormément de patients aujourd'hui avec les innovations thérapeutiques qui vivent de mieux en mieux avec leur traitement et qui ont besoin de pouvoir retrouver leur vie professionnelle, leur vie sociale, un meilleur équilibre. Oui. Et ça serait certainement quelque chose à vraiment à pousser que ce soit quand même toujours abordé, même si c'est pas peut-être la majorité des personnes, qu'il y ait en tout cas un volet qui s'adresse à cette maladie métastatique et cette composante plus chronique des besoins de traitement et de suivi, et peut-être d'adaptation plus personnalisée. Oui, c'est pour ça qu'en fait, on avait discuté, en amont de cette réunion, on avait discuté un peu d'une fiche de liaison, en tout cas d'un document de liaison entre l'oncologue ou le médecin traitant, d'une part, et surtout avec le médecin du travail, pour que justement, directement, sur le médecin du travail, qui est quand même un acteur clé de la reprise, puisse mieux comprendre aussi, parce qu'on est quand même un peu loin hein, parfois des innovations thérapeutiques dans tout ce qui est cancer métastatique, en me disant, bah, ok, oui, c'est parce que nous aussi, on a nos propres représentations, on dit, mais c'est pas possible, ça va être... il y aura trop de fatigue, il n'y aura pas assez ci, pas assez ça, c'est trop aléatoire, donc quoi, on se lance, c'est trop compliqué. Alors qu'en fait, on voit bien que même d'un point de vue, tout ce qui est invalidité catégorie 1 et 2, auparavant, on disait qu'il n'y a que les catégories 1 qui peuvent travailler à mi-temps, les catégories 2, ben, tant pis pour eux, ils restent chez eux, quoi, hein, ils ne travaillent plus. Alors que maintenant, depuis 2022, le législateur s'est positionné en disant si, on peut reprendre une activité professionnelle à minima. Alors c'est sûr que ça ne fera pas des flammes, hein, mais ça sera quand même une réinsertion possible, et une possibilité quand même pour la personne de se réinsérer dans le monde du travail. Donc je pense que des documents de liaison comme ça, ça permet, tout à l'heure on parlait d'information individuelle ou de formation individuelle, et ça je pense qu'effectivement ce type de document de liaison, un peu au cas par cas, ça peut aider des acteurs comme les médecins du travail ou le référent handicap de l'entreprise en disant oui c'est possible. Et par contre, il y a telle et telle contrainte en termes de traitement, par exemple une fois par semaine ou de rendez-vous assez rapprochés mensuels pour effectivement pouvoir jouer aussi sur, par exemple, le télétravail. Si on devait résumer ou avoir une première action prioritaire, chacun dans son profil, on va dire, qu'est-ce que ce serait? Et donc, j'ai envie de demander à Virginie Villard, qui représente les entreprises, voilà, quelle serait la chose que vous auriez envie de mettre en priorité à travailler avec les entreprises, notamment toutes celles avec qui vous êtes en contact avec le GIFLUC, pour du coup mieux accueillir, mieux valoriser ces patientes et les aider dans leur reprise au travail.
Donc déjà de faire de la formation globale sur le cancer, mais d'expliquer aux salariés, aux managers, aux DRH que le cancer, ce n'est pas un type de cancer, qu'il y a différents profils de cancer. Donc déjà, quand on aura compris ça, qu'il y a plusieurs traitements, qu'il y a plusieurs profils, qu'on est tous différents, ça va permettre d'individualiser le retour au travail et l'accompagnement individuel. Ensuite, l'idée, ça serait aussi, comme on a des référents handicap dans les entreprises, d'avoir un référent maladie chronique, un référent cancer, et d'avoir des groupes de parole. Tout à l'heure, Claude en parlait, c'est important pour les malades, les salariés, de se retrouver entre pairs et d'échanger, et puis aussi se donner les astuces qu'ils ont dans les entreprises. Puisque on sait, quand on a déjà à gérer une maladie chronique, les malades ont déjà beaucoup de choses à gérer, mais si elles se sont accompagnées aussi par leur père au sein de l'entreprise, ça va leur enlever un poids et une charge. Donc, l'idée, c'est individualiser l'accompagnement, expliquer que le cancer, il y a des cancers, des traitements, des personnes et un référent comme le référent handicap, même si parfois le cancer, on peut avoir une RQTH et être accompagné par le référent handicap, mais le référent handicap n'a pas toujours les formations des différentes maladies chroniques et entre autres du cancer du sein. Merci beaucoup. Alors, docteur Buguet, justement, vous êtes médecin du travail et spécialiste du référent handicap. Alors, vous pouvez là aussi nous dire, vous, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en place, de développer particulièrement pour faire mieux pour les patientes touchées par un cancer du sein métastatique. Oui, je pense qu'effectivement, pour la patiente, ça double peine. C'est-à-dire que non seulement elle a le poids de ses traitements, mais en plus de bouger des montagnes pour pouvoir reprendre le travail dans de bonnes conditions. Donc, je pense que c'est l'accompagnement individuel qui est vraiment primordial. Et donc, je pense que tout ce qui est document de liaison entre l'oncologue ou les médecins spécialistes qui accompagne la personne vers le monde du travail, donc le référent handicap ou le médecin du travail. Je voudrais juste préciser que le référent handicap, il est obligatoire depuis 2018, mais que pour les entreprises déjà d'une certaine taille, de plus de 150 salariés. Donc, il y a quand même encore un certain nombre de petites, moyennes entreprises qui échappent. Donc, je pense que de toute façon, l'acteur clé incontournable qu'on ne peut pas louper même pour une PME, c'est le médecin du travail. Et donc, lui, il faut vraiment qu'il arrive à rentrer dans la boucle, mais pas en méconnaissance de cause, mais en toute connaissance de cause, donc par l'intermédiaire d'une fiche de liaison, d'un courrier, qui lui permet vraiment d'accompagner au mieux ce salarié qui revient. Merci beaucoup. Alors, Claude, toi, du côté des patientes et ou des associations de patientes, quelle serait finalement la priorité ou la première chose à faire pour qu'on améliore la situation pour les patientes en situation métastatique? Je vais quand même juste un petit peu rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit. Oui, le médecin du travail, il a une place importante. Mais quand vous avez votre premier rendez-vous de reprise pour un cancer du sein métastatique, c'est bien écrit dans votre dossier, hein, métastatique, et que le médecin du travail vous demande quand est-ce que vous aurez fini vos traitements, ça coupe un peu la conversation, hein, franchement. Enfin, oui, je comprends. Il y a quand même aussi beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, dans l'accompagnement qu'on peut avoir avec les médecins du travail. Je suis désolée de... Non, mais vous avez raison. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut que les entreprises, les soignants parlent de cancer du sein métastatique aussi, en tout cas que ces deux grandes branches soient au courant de la différence. Parce que c'est effectivement très violent de s'entendre dire ça de la part d'un médecin, en fait. C'est juste de la part d'un médecin. Donc, on se dit, comment nos collègues vont comprendre? Bon, voilà. Bon, bref. Vous avez compris, en fait, hein, le problème de fond, c'est bien la méconnaissance générale de la vie au quotidien avec un cancer du sein métastatique. Voilà. Donc, il faut informer ou former, mais informer et former, c'est pas seulement dire que ça existe. C'est pas seulement donner des bonnes pratiques aux managers, parce que c'est souvent ce qui se fait dans les entreprises. Hein. On va vous sensibiliser à un truc. Donc ça existe, ok, ça existe. Et puis, y a des bonnes pratiques. Alors quand votre collaborateur est malade, il faut faire ça, il faut faire ça. Alors je dirais que c'est un premier pas, mais c'est pas suffisant. J'en appelle aux entreprises, il faut plus d'ambition. Il faut plus d'ambition derrière tout ça. En fait, il faut trouver des solutions pour nous, patientes. Mais nous aussi, on a un chemin à faire, mais il faut nous accompagner là-dedans. Pour qu'on arrive à expliquer notre réalité, qu'on arrive à partager notre réalité. Et pas dans des groupes de travail entre nous, à toute l'entreprise.
C'est bien différent, ça, en fait. Et d'un autre côté, il faut que l'entreprise, elle trouve une capacité à entendre et à comprendre. Parce que entendre et comprendre, il faut le vouloir, en fait. C'est pas seulement j'ai coché une case, j'ai signé ma charte cancer au travail. Ça va bien plus loin, il faut beaucoup plus d'ambition. Et quand je dis il faut entendre et comprendre, ça concerne pas seulement les managers, mais ça concerne bien toutes les personnes au sein de l'entreprise avec qui on est amené à interagir. Voilà. Et si je vais plus loin, et là on va bousculer les codes de l'entreprise, finalement, ça suppose qu'au sein de l'entreprise, on s'autorise tous à exprimer nos émotions. Et je pense qu'au sein de l'entreprise, ça c'est un code qui est interdit d'exprimer ses émotions. Donc, ouais, là ça bouscule encore plus de choses. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, mais je pense vraiment que c'est un travail de fond sur former, informer. Mais ça ne doit pas être superficiel, ça ne doit pas être cocher des cases. Et je pense que si on reprend tous les points de la synthèse de l'enquête, c'est le point de départ pour résoudre pas mal de ces points-là. Voilà. Je vais arrêter là, mais je peux répondre à des questions aussi. Merci beaucoup. Thierry, est-ce que tu veux rebondir? C'était pour rebondir parce que, puis de toute façon, l'heure file. Donc, juste merci Claude. Juste parce que c'est aussi en lien avec des choses qui sont dans le chat. Ça commence à venir. C'est-à-dire que l'idée qu'on commence à exprimer ses émotions dans les entreprises arrive sans doute de façon pas suffisamment rapide, mais quand tout à l'heure j'évoquais notamment la question de la père aidance qui fait son entrée dans des grandes entreprises, hein, qui d'ailleurs c'est public, hein, vous avez des entreprises, alors malheureusement elle n'est pas forcément très populaire auprès d'une certaine frange de la population, c'est chez Total notamment, où il y a beaucoup d'actions qui sont menées en termes de père aidance, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu une situation, qui viennent la présenter à d'autres, et ce faisant, ça permet aux spectateurs de se dire bah, peut-être que moi j'ai une autre forme, soit une gémellité de destin, soit une autre forme de fragilité ou de vulnérabilité. Donc il y a Total, la Croix-Rouge fait pas mal de choses dans ce domaine, donc il y a quelque chose qui se met en place. Et Claude, tu as la chance d'être dans une grande entreprise, parce que la question qui était posée, c'est de dire oui, mais on est beaucoup à être dans des petites entreprises. Et d'ailleurs, c'est ce que montre l'étude dans les répondants, et par ailleurs, c'est aussi ce que montre le tissu français économique, qui est quand même majoritairement composé de grandes entreprises. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Si on l'avait, ça fait longtemps qu'on l'aurait, puisque le monde du handicap se heurte à cette question, le monde des aidants se heurte à cette question, qui est comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir des réponses dans un monde extrêmement fragmenté. Il y a néanmoins deux éléments, me semble-t-il, qu'il faut garder en tête. Le premier, c'est que c'est toujours les grosses entreprises qui dictent le marché aux plus petites. C'est-à-dire, il y a un effet, je sais que c'est pas forcément très populaire, mais il y a un effet de ruissellement dans le fait que les entreprises tirent, les plus grosses tirent les pratiques des plus petites. Alors après, elles peuvent avoir des moyens à travers une charte plus ou moins qui incite des fournisseurs à mettre en place des choses dans l'entreprise. Et puis la deuxième, c'est éventuellement d'envisager des réflexions de branche. C'est-à-dire que les petites entreprises se rassemblent de par leur activité au sein de ce qu'on appelle une branche professionnelle. Ça peut être la branche de la chimie, de l'industrie, des services, peu importe. Il y a vraisemblablement des réflexions engagées au niveau des branches, qui permet derrière de massifier les choses. Voilà, c'était les deux choses que je voulais aborder. Alors, il y a quelques questions aussi pratico-pratiques. Par exemple, est-ce qu'on peut associer une RQTH avec un cancer du sein métastatique? Quand est-ce qu'il faut, dans une dynamique de maladie donc plus chronique, quand est-ce qu'on prend rendez-vous ou qu'on reprend rendez-vous avec vous si on veut reprendre à un moment donné, quand la maladie est bien stabilisée, qu'on a assez un certain nombre de cas? Est-ce que vous pouvez nous répondre concrètement à ces questions? Oui, bien sûr. Pour les RQTH, en fait, c'est une démarche qui est individuelle et où il y a seule la personne, la patiente qui demande, qui est informée, enfin qui gère le truc et qui garde la main. C'est-à-dire que si elle ne veut pas le dire tout de suite à l'entreprise une fois qu'elle a sa RQTH, au bout de à peu près 4 mois de délai, c'est accordé par la MDPH, elle peut garder sa RQTH de côté, ne pas la montrer tout de suite à son entreprise. Maintenant, elle a quand même intérêt parce que c'est quand même, ça va pas être du tout une mise au placard, ça va être un argument supplémentaire. Par exemple, si elle a un travail, un travail sur écran ou un travail qui mobilise beaucoup le bras, ben, il y a quand même des aides techniques dans son travail qui peuvent être apportées, financées par la GFIP, et pour ça, il faut avoir une RQTH. Donc ça peut se faire quand même
assez rapidement, parce qu'on sait bien quand CSM ou pas CSM, quand il y a un lymphœdème, bah, quand il est chronique quand même, je pense, assez rapidement. Donc déjà, ça, il faut pas trop hésiter sur la RQTH. C'est de toute façon une mesure qui est accordée pour 2 ans ou 5 ans, qui après fera éventuellement renouveler si on en ressent toujours le besoin. En fait, c'est considéré que son état de santé est quand même diminué par rapport à avant. Il y a vraiment un avant et un après. Donc, c'est ça, en fait, qui doit faire basculer un peu la personne. Si elle se sent encore dans une position vulnérable où elle sait que ça va être chronique, qu'elle va jamais retourner à une situation d'avant, je pense qu'il faut pas hésiter et demander une RQTH. Parce qu'après, ça va être un argument pour pouvoir avancer avec l'entreprise, la GFIP, Cap Emploi. L'autre question, c'était quand revenir voir pour la visite de pré-reprise. Ben justement, je pense que c'est quand on sait à peu près qu'on est en état de reprendre. Et quelquefois, ben, la visite de pré-reprise va avoir lieu et finalement, on va reprendre que 6 mois, 3 mois ou peut-être un mois après. Ça, et peu importe, si vous voulez. C'est plus pour entamer un dialogue avec le médecin du travail. Très bien. Alors du coup, merci beaucoup pour ces réponses. Je vais repasser la parole à Thierry, puisque en fait, on voudrait aussi partager avec vous quelques ressources, enfin des pistes pour être aidé dans vos démarches de patientes, dans vos réflexions de patientes. Donc Thierry a quelques slides avec un projet et on citera quelques programmes, soutien, etc. Et bien entendu, association ressources dont on va vous parler. Donc, si on peut remettre le slide, voilà, de Thierry. Pour laisser un peu de temps après pour les autres, je vais juste vous présenter deux choses, mais très rapidement, qui sont menées aujourd'hui par Juris Santé. Il y en a une première qui ne figure pas là dans les slides, et qui est le fait qu'on a mis en place un service de coaching. Alors, on nous connaît plutôt sur le côté accompagnement, et je vois d'ailleurs qu'il y a dans le chat certaines questions qui sont de l'accompagnement juridique et socio-professionnel, mais on a par ailleurs développé un programme de coaching gratuit à destination des femmes vivant avec un cancer du sein métastatique qui permet, à l'occasion d'une ou plusieurs séances, de pouvoir aborder des questions, alors qui peuvent être des questions de vie, mais qui sont surtout aussi, on le voit à l'expérience, des questions de positionnement professionnel, de projets professionnels, de gestion finalement parfois de ces émotions. Donc n'hésitez pas à contacter, c'est entièrement gratuit. Il y a un réseau de coachs qui sont tous des coachs certifiés que vous avez au téléphone et vous êtes plutôt bien reçus puisque chaque année on gère à peu près dans le domaine du cancer du sein métastatique environ 300 situations et 300 cas. Donc n'hésitez pas à contacter. La deuxième chose, c'est quelque chose de plus physique, qui est une box qui a été mise en place avec Pfizer et Juris Santé, qui est une box qui, derrière, là, si j'ai toujours la main, c'est très bien, qui vise à essayer d'accompagner, notamment en aidant et en structurant, vous savez, tout à l'heure on disait qu'il faut créer les conditions d'eux, c'est en s'appuyant aussi sur le réseau des oncologues et le soutien, plus que le réseau, sur le soutien des oncologues auprès des patientes, on a créé une box à double détente qui comprend deux documents distincts qui sont, là je vous en fais un résumé rapide, qui sont d'un côté un outil qui permet aux oncologues d'être mieux avertis quant aux aspects juridiques qui parfois peuvent bloquer ou poser question et sur quelques éléments qui sont les éléments, Claude évoquait la vie des femmes vivant avec un cancer du sein métastatique. Donc c'est un outil qui leur permet peut-être de mieux comprendre et leurs patientes, enfin en tout cas l'aspect social et vivant de leurs patientes et l'aspect juridique qui l'entoure. Et dans cette box, on trouve à destination des patientes, et c'est remis par l'oncologue, là encore un certain nombre d'outils qui sont des outils à la fois d'information, mais qui sont aussi des outils qui apportent des conseils pratiques, et la question a été posée je crois qu'elle n'était pas forcément dans le chat, mais dans les questions, qui apportent un certain nombre de conseils pratiques sur comment est-ce que d'une certaine façon je peux essayer de garder la main durant cette période qui est une période un peu complexe. Alors je vais vous éviter la partie oncologue pour rentrer rapidement dans celle des patientes. Vous trouvez toute une série. Alors, il y a des éléments juridiques et vous trouvez toute une série de fiches pratiques. Vous en avez là quelques exemples qui vous permet d'abord de comprendre un peu la situation. Là, c'est sur l'importance de la question du travail, mais celle-là est plus de portée universelle. Mais des éléments qui vous permettent simplement de parler du cancer du sein métastatique. Et on a bien vu qu'à un moment donné, c'est parfois compliqué de pouvoir en parler. On a essayé de travailler un argumentaire un peu précis sur ce sujet.
quelques questions clés qu'on se pose dans la vie professionnelle. Est-ce que je dois en parler? Est-ce que je ne dois pas en parler? Jusqu'où est-ce que je peux aller avec mon employeur, avec derrière des algorithmes très simples qui permettent d'arbitrer sur ce que je vais dire, ne pas dire, et comment est-ce que je vais dire les choses. Et puis, plus largement, des outils qui permettent aussi d'accompagner sa situation tout au long de la maladie. Là encore, avec des fiches très pratiques qui sont des fiches aussi qui engendrent un certain nombre de questionnements. Et l'idée même de se questionner vous permet derrière d'être dans une logique un peu de mouvement et de dynamique. Voilà, j'ai essayé de faire court, mais comme il reste 4 minutes, je n'irai pas beaucoup plus loin. Alors, merci beaucoup pour ce projet. Donc déjà, est-ce qu'il y a la possibilité d'y accéder en ligne à cette super box ou comment on y accède? Pour l'instant, c'est en cours. Pour l'instant, c'est en cours. Ça a été monté avec un pool d'oncologues de Rhône-Alpes et le docteur Buguet a participé, notamment, j'aurais dû citer d'ailleurs, il y a une fiche de liaison qui est notamment pour les oncologues qui permet derrière de pouvoir être mise, c'est à l'initiative de Dr Buguet d'ailleurs qu'on a monté cette fiche, qui permet d'avoir un meilleur suivi finalement. Donc c'est on est en fin d'expérimentation, c'est en train d'être généralisé et on sera, je pense, en mesure sur le site de pouvoir à terme dire où est-ce qu'on va. Voilà, donc du coup, on pourra vous informer sur le site, les réseaux du collectif 1310 et à travers les différentes associations. Donc, de l'arrivée de cet outil. Je crois que c'est important aussi de souligner que, donc, tu as parlé du coaching chez Juriste Santé, mais on a aussi, dans les centres de soins, parfois des équipes qui proposent des ateliers de réflexion autour de la reprise du travail, etc., où il y a beaucoup d'échanges et d'informations qui sont proposées. Et il y a plusieurs initiatives de programmes d'accompagnement. On peut en citer plusieurs. Nous, on a d'excellents retours de ces différentes initiatives sur mon réseau cancer du sein. Alors déjà, il y a la Ligue contre le cancer qui, en fonction des comités, peut proposer des programmes retour à l'emploi. Il y a l'ANIAC qui propose aussi des programmes. On a de très, très bons retours aussi. Donc, ça peut dépendre de votre établissement, de votre région. Donc, renseignez-vous vraiment auprès de vos établissements, mais aussi des patients, des associations de votre secteur pour savoir ce qui est donc en route dans votre coin. Il y a l'association Le Vent Bleu qui fait aussi des programmes de retour au travail. Il y a Cancer at Work qui propose aussi des choses avec notamment la possibilité d'accompagnement en ligne avec Allo Alex. Voilà, et puis donc au quotidien et sur nos différents réseaux, on a la possibilité de poser des questions, d'échanger avec d'autres patients. On a un groupe dédié cancer du sein métastatique sur mon réseau cancer du sein. Donc, au quotidien, les gens échangent. Il y a une fois par mois un café en ligne 100% méta. Il y en avait un tout récemment sur ce sujet. Donc, en fait, chaque association dans les cafés Donna, par exemple, qui sont organisés par Vopa Donna au quotidien ou lors des visites de Vivre comme avant. Enfin, bref, toutes ces différentes associations peuvent aborder ce sujet de façon pas forcément en tant que spécialiste, mais au moins pour vous orienter. Je crois que c'est important de le souligner. L'idée, en tout cas, c'est de faire mieux pour qu'on entende la spécificité de la maladie métastatique dans la question du travail. Et on voit donc entendre sensibiliser les professionnels, les soignants et puis bien sûr les patientes, les encourager. Moi, je garde, et on va faire un peu le tour de table là-dessus, je pense que l'idée d'encourager en fait les patientes, de les aider, de leur redonner plus confiance en elles, c'est super important. C'est l'occasion de souligner aussi des très beaux retours qu'on a sur les ateliers oncogites. Parfois, on se dit, mais j'arrive plus à me concentrer, je suis fatiguée, j'y arriverai jamais. Et en fait, quand on est dans une période où avant de reprendre, de faire des ateliers comme ça qui peuvent être soit en présentiel, soit en ligne, ça rebooste un peu les neurones et ça permet parfois de reprendre confiance en soi et ses capacités de concentration, ce qui peut être éventuellement un frein pour certaines patientes avec les traitements. Voilà, donc je propose qu'on fasse un petit tour de table de mots de la fin, parce qu'il est 30, on se donne une minute pour déborder. Donc Virginie, pour les entreprises, un petit mot de la fin.
ça donne plein d'espoir si tout le monde se met autour de la table et échange les patients, les entreprises et qu'on apprenne à connaître les pathologies. Donc, travaillons tous ensemble pour améliorer les associations qui accompagnent les entreprises, les associations qui accompagnent les patients, tous ensemble pour améliorer les conditions de retour au travail. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Docteur Buguet. Oui, alors moi, je retiens deux mots-clés. C'est capital confiance pour les patientes. Ça, c'est vraiment hyper important de travailler dessus avec des quelque chose très concrètes comme les ateliers dont vous parliez, le coaching proposé par Jury Santé. Je pense que c'est vraiment hyper important d'en profiter. Et puis, pour les acteurs, les professionnels type médecin du travail et autres, je pense que c'est vraiment une volonté de passer au-delà de ces méconnaissances, de ces a priori, de ces représentations et accepter d'être à nouveau sensibilisé, formé sur de telles thématiques et comprendre, voir l'évolution des choses, quoi. Merci beaucoup. Thierry, pour l'ensemble des associations, du collectif, qu'est-ce que tu dirais, toi ? Moi, je dirais deux choses. La première, c'est que effectivement, on voit bien qu'il y a la question du capital confiance, qui est aussi ce à quoi le collectif essaye chaque jour d'apporter sa pierre à l'édifice, hein, puisque être confiant, pour être confiant soi-même, il faut que la société nous reconnaisse. C'est aussi le rôle du collectif. Je ne reviens pas sur l'effet de Pygmalion. Et puis la deuxième, puisqu'il faut vraiment être court, mais là c'est une forme de pied de nez, c'est que on voit bien que c'est une vie qui se transforme et que derrière, ça me permet opportunément de pouvoir vous donner rendez-vous à 14h pour le prochain webinaire. Et il y a une initiative qui va être présentée aussi, dont on n'a pas parlé, qui est Prisca. C'est une initiative tout à fait intéressante. Et le mot de la fin pour Claude, au nom des patientes qui vivent en fait cette réalité dans leur quotidien et au travail. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette enquête et à vous deux, Laure et Thierry, je pense qu'on peut vraiment saluer votre travail de synthèse et de restitution. Donc, j'en profite dans ce mot de la fin pour le dire. Merci, un grand merci. Ça met beaucoup de choses en lumière. Ça veut dire que aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire. En tout cas, on a des pistes sincères, sérieuses. Après, moi, je crois beaucoup à la technique des petits pas. Je pense aussi que c'est dans le concret à l'intérieur de chaque entreprise. Donc moi, j'invite toutes les entreprises et tous les managers qui ont envie de faire des pas dans ce sens-là, allez-y concrètement, sereinement, mais concrètement quoi. Il nous faut du réel, un pas après l'autre peut-être, mais construisons ce plan d'action, construisons cette temporalité et go, on y va. Merci beaucoup.